Je m'appelle Marie-Chantal Houde. Je suis copropriétaire de la fromagerie et de la bergerie Nouvelle-France avec mon frère Jean-Paul. Et c'est situé à Racine dans les Cantons de l'Est. C'est avec l'aide de son frère que Marie-Chantal a démarré un projet de bergerie laitière et de fromagerie en 2009. Passionnée par la transformation fromagère, elle a acquis une formation en France, ainsi que des années de pratique et d'enseignement dans le domaine, avant de se lancer en affaires. Au fil des ans, les stratégies de gestion de Marie-Chantal ont contribué au succès de ses entreprises et plus particulièrement de sa fromagerie. L'idée du projet a germé en 2008. Mon frère et moi, on a décidé de partir dans le lait de brebis et la fromagerie. Avant ça, moi, j'étais consultante fromagère au Québec et j'enseignais la fromagerie aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé dans le domaine pendant plusieurs années. Et nous avons commencé à produire du lait en mars 2010. Et la première fabrication s'est effectuée le 29 mai 2010. J'ai eu une aide de la financière agricole. J'ai eu ma prime à l'établissement. On s'en est servi pour modifier les installations de la ferme existante, réparer le toit de la grange et installer le kit de traite. La clé de la réussite, ça a été de louer des locaux déjà existants dans une fromagerie plutôt que de construire ma propre fromagerie. En ce moment, la fromagerie, elle achète le lait de 5 fermes, incluant notre bergerie. Alors, on n'est plus seul dans l'équipe maintenant. Donc, on a 4 bergeries partenaires qu'on achète le lait soit en totalité ou en partie, ça dépend de chacun. Et puis, ils sont situés dans la région pour la plupart. En 2010, le tout premier fromage de Marie-Chantal, le Zachary Cloutier, a vu le jour. Depuis, la jeune gestionnaire a le vent dans les voiles. Sa fromagerie a remporté plusieurs prix pour ses différents produits. Chaque année, Marie-Chantal surpasse les objectifs de croissance de sa fromagerie. Son partenariat avec d'autres producteurs lui permet de transformer le plus important volume de lait de brebis du Québec, estimé à 175 000 litres par an. De plus, cette jeune gestionnaire innove constamment dans la création de produits, tout en maintenant l'excellente qualité de ses fromages. C'est un très beau projet. On a une super belle évolution, puis nos fromages, ils sont maintenant reconnus. On a gagné plusieurs prix, dont cette année, meilleur fromage de brebis au Canada. Pour le moment, la chiffre d'affaires se situe autour de 650 000, mais on est en augmentation de 35 % par année. Donc, c'est une très belle croissance qu'il faut gérer. Là, je pense que je pourrais inviter 2-3 producteurs de plus, tu sais, pour créer un plus gros engouement de... On ne peut pas s'improviser quand on est en bergerie laitière ni en fromagerie. Il faut savoir s'entourer. Le fait qu'on achète du lait de d'autres producteurs, ça nous permet de mélanger tous les laits ensemble parce qu'on est tous à qualité égale. Donc, le fait de fabriquer des plus gros bassins, ça nous permet de diminuer nos charges fixes. Ça nous aide beaucoup là, au niveau économique. Notre premier fromage, ça a été le Zachary Cloutier. Ensuite de ça, on a fabriqué le pionnier, s'en est suivi de la madeleine qui est une pâte molle. Puis maintenant, on fait des yogourts de lait de brebis. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté depuis 2 ans. Et étant donné que des yogourts, c'est fabriqué la journée et ça peut être vendu le lendemain, ça nous amène un retour d'argent beaucoup plus rapide qu'une meule de fromage qui vieillit 6 à 12 mois, par exemple. Marie-Chantal veut faire de sa fromagerie la référence canadienne dans la fabrication des meilleurs fromages fins de lait de brebis, contribuant ainsi au rayonnement du Québec dans ce secteur de production. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir cette jeune entrepreneure accomplie.